Bonjour mes amis du monde entier, comment ça va aujourd'hui? Vous allez bien? Ça va comme vous voulez? Eh bien c'est parfait. Donc vous êtes prêts pour partager une nouvelle tranche de ma vie, pour regarder une nouvelle vidéo? Alors, ça va pas tarder, je suis à... Non, je vous le dis pas, vous allez le découvrir par vous-même, où je suis et qu'est-ce que je fais. Amusez-vous bien! Voilà, nous sommes sur une halik qui s'appelle Halik Hollande. Alors, Halik, c'est une toute petite île qui est tout juste au-dessus de la mer, environ 3 ou 4 mètres. Et ben, on va repartir parce que c'est marée haute là. Et puis là, voilà, le quai commence à être sous l'eau. Tout juste le temps pour repartir, ça fait une heure qu'on est là. Malheureusement, il n'y a pas de soleil, que de la pluie. Voilà, les bâtons qu'on voit là, c'est le chemin qu'on doit prendre pour repartir, parce qu'en fait, à gauche et à droite, l'eau n'est pas assez profonde. On risque de rester coincé. Et ça, c'est le chemin qui est balisé. À l'origine, au départ, prévu d'y aller, mais en fait, il y avait trop d'eau. Ça sifflait pas mal la nuit dernière. Bon, ici, je préférais couper le son. Le bruit est vraiment trop horrible. Ça fait mal aux oreilles. Donc là, on voit les bâtons. Il faut passer à gauche des bâtons. À droite et à gauche de ce chemin, l'eau n'est pas assez profonde. Donc, il faut bien, bien suivre les bâtons. Et c'est pas toujours facile. J'espérais que je ne fais pas tomber mon téléphone dans l'eau. C'est dommage. Voilà la mer du Nord comme je l'aime. Un peu gris. Avec
des vagues. Ouais, il manque un peu de soleil. Mais bon. De toute façon, il pleuvait à l'aller. Il pleuvait. Donc, je suis mouillé. Parce que, bon, bien évidemment, mon blouson, ben, il n'est pas étanche. Je suis complètement mouillé, sauf les pieds. Parce que j'ai pensé à mettre des bottes en caoutchouc. Voilà. Donc mes pieds sont secs, un peu froids, mais secs. Et tout le reste est complètement mouillé, bien évidemment. J'ai pris un gros sac, mais un gros sac en tissu. Le sac est mouillé et tout ce qui est à l'intérieur du sac aussi. Voilà, tout gagné. Bon, ça c'est la terre ferme. Voilà, on voit un peu au fond là, ben c'est là où on va retourner. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Retourner, voilà. Et voilà, et un tout petit peu de soleil qui se reflète sur la mer, c'est très beau. Die Entwässerungsstörung unter dem Siedelfrau Geheimkohl ist die größte Entwässerungsumgebung 1959 erbaut. Unter dem Deich befinden sich Speicherseen und da sammelt sich das Wasser aus der ganzen Umgebung, läuft dann ab durch die Siedlung, die Schleusen von Schlupfhiel. Das ist ja nicht einfach schwer. Mais ici, c'est pareil. Le quai est presque sous l'eau. Vous voyez les marches là, normalement il y a un escalier et puis le matin au départ ben, on était obligé de descendre et quand on était en bas dans le bateau ben, on ne voyait plus le quai parce que l'eau était très bas, le niveau d'eau était très bas. Alors ça vous a plu? Vous avez aimé? Ah ben ça me fait plaisir. Donc surtout n'oubliez pas là, en bas là, de cliquer sur le pouce, de liker comme on dit. De mettre un commentaire si vous le souhaitez, c'est pas une obligation mais ça me fait plaisir. Si c'est un bon commentaire, ça m'a fait beaucoup plaisir. Si c'est un commentaire plutôt négatif, il n'y a aucun problème, dites ce que vous pensez et puis ça m'aide à m'améliorer. Après tout, je suis pas une professionnelle, je suis pas parfaite. Et surtout abonnez-vous, comme ça dorénavant vous ne ratez plus rien de mes aventures avec Domino. Voilà, il est là aussi avec Foxy et moi sur les routes du monde. Et comme ça, vous pouvez continuer à partager une tranche de ma vie.
À très bientôt et surtout, n'oubliez pas, vivez votre vie comme vous le souhaitez. C'est très important. À très bientôt. Bisous.